Bonjour à tous, c'est Nikoko et bienvenue sur The Elder Scrolls Legend, le jeu de cartes à collectionner. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, d'ailleurs j'en avais fait qu'une sur ça. Et du coup, je voulais en profiter pour faire la suite, parce que je me suis pris un nouveau micro et je voulais en profiter pour justement le tester. Je me dis, quoi de mieux que de reprendre un jeu que j'avais stoppé. Et j'ai appuyé sur le mode histoire sans le vouloir, donc on va attendre avant de lancer le truc. Attendez, on va refaire, j'ai fait une bêtise, voilà. Et du coup, voilà, si le son marche bien, on va pouvoir refaire un peu des vidéos sur PC, parce que c'était ça un peu mon souci du pourquoi j'avais arrêté le PC et je m'étais mis sur la console. C'est parce que la console me donnait un meilleur son pour les vidéos et j'avais pas à modifier, à aller sur Audacity, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça va être agréable pour vous, comme pour moi. Et voilà, on va s'amuser comme il faut. Allez, on continue là où on s'était arrêté. Je vous laisse un peu l'histoire, en espérant que vous entendez tout. Des gardes du domaine. Sinon, vous avez qu'à lire, voilà, c'est écrit. Nous cherchons un renégat des lames qui ressemble à votre description. Il doit y avoir un malentendu. Quel genre de malentendu ? Quel genre de malentendu ? Le genre où vous pensiez que nous allions gentiment vous suivre. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas si mon son marche pendant que je fais cette vidéo. Donc, croyez-moi, au fond de moi, je suis en train de prier très très fortement pour que tout se passe bien. Allez, on va lancer ça. C'est parti. Bon, alors, c'est un didacticiel, alors... J'espère quand même que je vais arriver à gagner, hein. Ça serait con de faire une vidéo et m'en prendre plein la gueule. Alors, s'il vous plaît. Votre adversaire arrive au combat avec des défenses prêtes. Ok. Bon, ça va, ils auront 0 d'attaque. 3-4-3, on va... Celui-là, il est trop bizarre. Saturé, démarré. Si je peux le dégager, lui, du 9-1. Bon, c'est vrai qu'il fait 9 points de dégâts. Mais un point de vie. Bon voilà, lui 3 pour le début, c'est bon, c'est pas mal. Mais bon, si je peux avoir, voilà, 2, voilà, j'ai plus de chance. Oh putain, c'est un objet. Magnifique. Bon, c'est pas grave. Que des objets, c'est génial. Je le sens bien cette partie. Par mes ancêtres, j'aime bien le didacticiel. On est censé gagner un didacticiel, on n'est pas censé en prendre plein la gueule. Eh ben, je peux toujours pas jouer, c'est génial. Je vous tuerai rapidement. Honneur et louange. Ok, honneur et louange. Allez, une garde. Bon, alors pour 3, je peux mettre directement ceci. Je veux en profiter. L'autre, il peut me mettre des dégâts, c'est pas grave. Bon, lui, il va prendre 3 dégâts dans la gueule. Infliger 2, d'accord. Bon, c'est pas grave, j'ai toujours envie. Alors. C'est ça que vous voulez. Ouais, du coup, je vais pouvoir l'équiper une 2-2 sur lui. Et je vais pouvoir infliger 3 à cette merdasse. Allez, hop. Plus 2, plus 2. Sang et gloire. Je meurs. Voilà. Continue à me mettre 2 dans la gueule, ça me gêne pas. Et tu finis ton tour, c'est parfait. Allons. Ah oui, c'est vrai que quand on éclate des runes, là, tous les 5 ça éclate des runes. Donc du coup, je récupère des cartes. Ok, bon. Pour 5, je peux exploser qu'un cœur. Ou sinon, pour 4, je peux poser ces deux créatures, ce serait pas mal. Là, un arc, je donne un sacrifié. Non. Oh là là, infliger silence à une créature. Silence. Ah, plus 3, plus 3. Ouais, putain, c'est même pas une créature, ça. Comment je vais faire? Tac, 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 tac. 2-2. Non, bah on va faire ça. Hop. Les soldats impériaux meurent, mais ne se rendent pas. Allez, hop. Vous allez mourir. Meurs. Après, je lui donnerai plus 3, plus 3, ça sera pas mal. Mais ouais, ce deck, je pense que j'ai dû le modifier parce que c'est pas le deck de base. Du coup, il est pas si terrible que ça. Il est pas bien équilibré. Donc en quoi à l'époque je faisais de la merde. Ah. Et maintenant.
Alors déjà, et maintenant, maintenant ça. Et je pense que je vais mettre ce gros Golgoth, ou sinon je lui mets... Non, je vais lui mettre ça, sinon il va me le buter. Je vais faire ça. Voilà, je rajoute cette créature ici. Ça va. J'arrive à gérer. Fuyez devant ma fureur. C'est pas mal. Stendhal n'a pas de pitié pour vous. Vous n'avez aucune idée de l'équipement, de l'équipement. Vous n'avez aucune idée de ma Ça va, oui. Tout calme. Alors, pour 6, pour 7. 4 et 2, 6 et 1, 7. Parfait. Alors, je vais lui mettre plus 1 à lui. Un petit silence. Je vais lui rajouter ça. Et je vais lui rajouter ceci. Qu'Oblivion vous emporte. Allez, bim. Vous allez mourir. Meurs. Vous allez le payer. Et voilà. Et non. Pas assez. Je sais pas compter. Infligé 2. Aïe. Infligé 2. Aïe. Voilà. Qu'Oblivion vous emporte. Leur temps est révolu. Vous n'aurez pas la victoire. La chance ça sert à rien, les gars. Tu vas mourir, hein. C'est quoi ça? Détruisez une créature ennemie dans cette rangée. C'est bien ça. Pour 10, mais je peux pas le mettre. Eh bébé, bah lui il a 8, alors on va lui rajouter. On va lui rajouter 2. Et on va lui rajouter un de plus. Voilà. 14 dans les dents. Pomp. Et walou. Enculelu. Victoire. Non. Et oui, parce que moi, comme j'ai fini le didacticiel, ils me remet au chapitre 20. Non, je ne veux pas aller au chapitre 20. On va en faire un autre. Alors, attends. On va faire les loulous. Ils décidèrent d'éviter les routes. Mais évidemment, les contrées sauvages comportent leurs propres dangers. On va changer de deck. Parce que celui-là, il me plaît guère. Trop d'équipement, trop de... Voilà. Dommage que je peux pas le remettre en mode... Comme le départ, quoi. Bon. Réinitialiser, c'est pas possible. Je vais prendre... Bon, ça, c'est un deck que j'avais créé. Celui-là. C'est parti. J'ai dû faire de la merde parce qu'en fait, je sais pourquoi j'ai modifié parce que il n'y a pas longtemps, j'ai mis l'application sur le téléphone pour tester, pour jouer un peu avant de me coucher tranquille, quoi. Et c'est pas du tout ça le deck. C'est les mêmes personnages, mais le deck pas du construit pareil. Ah ben ça aussi, c'est pas du tout ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Régénération, invoquer plus de plus si votre adversaire a plus de cartes dans sa main. C'est pas mal ça. Et lui, gagner un point de magie, un maximum. Ok. Bon. On va garder ça. J'aime bien. Waouh. L'âme d'or. Alors ça, vous l'avez à la fin. À la fin du mode histoire, vous allez gagner cette lame. Moi, j'ai encore fait n'importe quoi avec mes decks. Ça va pas, ça. Ça va. Mais bon, c'est pas grave. C'est de la difficulté en plus. Allez. Prophétie, garde coup fatal, voilà. Bon, tuer les deux. Te réclamera mon corps. Ils seront obligés de se tuer dessus, quoi. Et puis, de toute façon, même si j'avais pas coup fatal, il mourrait. C'est pas grave. Ouais, s'il a plus de cartes que moi, quoi. Alors là, invoquer. Et garde. D'accord, on va essayer. Je serai la coque qui vous protégera. Oui, ça marche, parfait. Comme j'ai pioché une carte de la même classe que lui, du coup il a gagné plus 2 et garde. C'est plutôt bien. Alors aussi, pourquoi je me remets à ce genre de vidéo, sur des jeux de cartes, c'est parce que j'ai défié un ami qui tout autre que Wazy qui fait des vidéos avec moi sur Minecraft, à m'affronter au jeu de cartes.
Parce que nous, on aime bien les jeux de cartes sur, en vrai, quoi, comme Magic ou Keyforge, que bientôt, d'ailleurs, j'en parlerai sur cette chaîne. Et du coup, j'étais motivé à bien m'entraîner pour un jour l'affronter. Donc, je vais voir si tout se passait bien au niveau enregistrement. Je parle n'importe comment. Au niveau enregistrement, pour voir si on fera des bonnes vidéos, tout simplement. Je pense que ça va être cool. Ça va être cool. Bon, on peut attaquer une fois supplémentaire. Ah, régénération garde. Ah, oh, mais là il va me péter la gueule. Coup fatal. Ah, je peux le mettre. Je vais les faire chier. Je vais les faire chier. En garde. Voilà. Là, ça commence à faire beaucoup de loulous, là. Voilà, comme ça, je pourrais l'attaquer après, tranquille. Voilà. Ok. Calme-toi. Tout te calme. Ok. Alors, je vais mettre lui. C'est moi qui commande ici. Et je vais mettre ça sur lui. Je vais même faire mieux. Je vais rajouter ça sur lui. Voilà. Ça, je vais faire ça. Là, il va être un peu en galère. Je peux re-attaquer en plus, c'est trop bon ça. Je vais attaquer. Non, c'est bon. Je vais pas attaquer directement là. Parce que lui, ce qui est bien, c'est qu'à chaque début de mon tour, il se régénère. Donc le gars, il a coup fatal, il tue tout le monde, et il se régénère. C'est le top. C'est vraiment énorme. Alors lui, c'est quoi? Infliger 2 points de dégâts à une créature, puis augmenter de 2 points les dégâts infligés. À utilisation 3 fois. Coup de 7. Est-ce que j'ai pas plus cool à faire? Il a combien de cartes en main? Il en a plus. Putain. Lui, ça aurait été cool. Alors, il a quoi? Régénération et invoquer. Voilà, plus 2, machin. D'accord. Et lui, pour 6, invoquer un animal aléatoire. Ça peut être marrant, ça. Ouais, bien. Il a charge, ça, c'est top. Allez. Vous ne passerez pas. Vous ne triompherez pas. Il peut re-attaquer, quoi, ça c'est top. Oh, le Smilodon, quoi, il est... c'est classe, ça. Wow. Il commence à me saouler, ces loups. C'est un truc de fou. Comment ne pas péter un câble? Bon, ça va, il reste que 2 points de vie. Ça devrait le faire. Alors. Bon, on va attaquer directement, on va pas se prendre la tête. Allez. Bam. Voilà. Non, j'ai dit. Je veux pas. Je veux pas. Allez, on fait celui-là. Nous y sommes. C'est la maison de Lanette. Et elle grouille d'adeptes. Lanette doit être en danger. Dépêchons-nous. C'est dégueulasse. Alors, ah, je vais faire... Alors, attends. Remarque. Réfléchissons. C'est des gens qui jouent avec les trucs de mort. Faut bien réfléchir à quel... Si, allez. Vengeur d'honneur, il est trop bien. Il joue en fait beaucoup avec des créatures qui sont déjà mortes. Ouais. Ou quand il meurt, en fait, ça fait un pouvoir, le dernier souffle. Ça fait. Donc on va voir ce que ça donne.
Oui, c'est bien. Voilà. En plus, ça tombe bien. Pas un gros pouvoir, c'est plutôt pas mal. Gardez la main, bien sûr. Vous arrivez trop tard. La sorcière est déjà loin. Alors, placez un éclair enflammé dans votre main si la première carte... Ouais, d'accord, ça c'est bon. Sacrifier une créature, et là, invoquer plus un coup fatal si la première carte est une carte verte, etc., etc. Bon. Et là, pour deux, je peux faire que ça, donc c'est pas la peine. Tant pis. Votre mort me sera douce. Que l'âme d'or vous abatte. Allez. C'en est fini de vous. Ils s'agenouilleront devant le prince des complots. Leur sang plaira, Boethia. C'est compliqué. Là, c'est assez... Ah ouais, mais... Si je fais ça, mon ami, je peux plus rien faire après. Alors... On va faire celui-là. Par la pitié de Stenda. Raté. C'est génial. Ça annonce bien le combat. Là. Mortel. Misérable insolent. Toujours du bol. Oh, prophétie. Mais oui. On a ennemi repéré. Voilà. Que bonjour. Formez les rangs. Formez les rangs. Alors, on n'attaque plus. Petit con. Là. Alors, ça. Alors déjà, je vais faire bim sur toi. Et puis pour 3, alors moi je peux péter un truc comme ça. Hop. Je peux infliger. Pourquoi j'ai fait sur lui? Je sais pas, alors que les autres il avait 2 d'attaque. Je vais faire lui. Hop. Par le poète, la mer et le mage, vite, je saisis leur stratégie. Voilà, pour le moment je vais les dégager un peu. Pour dégager le terrain. Et puis j'ai 2, putain. Aïe. Et je t'inflige 3, il gagne 3. Voilà, pour la peine. C'en est fini de vous. Allez. Alors pour 5. Lui il fait quoi? Détruisez une créature blessée. Il n'y en a pas, les seules créatures blessées qu'il y a, c'est les miennes, donc on va éviter. Allez, voilà. Bon, ce Smilodon, il va attaquer 2 fois. Ça va être top. Bon, ça va. Ça se démène bien. Waouh, putain. Qu'est-ce que tu veux faire? Si j'attaque 2 fois, mais... je meurs 2 fois aussi. Fonction. Et là... Voilà. Bim. Oh, le combo, les gars. Bon, ça. Arc est mon guide. Arc est mon guide. Ya. Mais oui, vas-y. Oh, mon chaton, là-haut. Touche pas. Ils mourront au nom de celle qui supprime. Votre mort, me... Votre chair va brûler. Votre chair va brûler. J'adore imiter, je suis un grand imitateur. Bon, alors, ponction chapardage, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Alors ça fait quoi? Infliger 3 dégâts, gagner 3. Ben on va faire ça, je pense, à 6. On fait ces deux là pour avoir plus de chance. Bon, allez. Tu es trop cool. Tout simplement. La forêt est à nous. Préparez-vous au combat. Bim. Tiens, voilà du boudin. Hop, infliger 2. Ça va pas me plaire, ça. Oh, c'est bon, il a visé lui. Quelle chance. Quelle chance. Au nom de celle qui supprime. Le courage de Nerevar est avec moi. Ouais, infliger 3 dégâts, je vais pouvoir. Ça me fait chier, mais il faut que j'inflige à lui, parce que chapardage, c'est effet au lieu lorsque vous infligez des dégâts à l'adversaire. Voilà. Alors là, c'est un peu compliqué. Voilà. Créature ennemie, sont immunisés contre l'entrave. Non, mais je vais faire ça. Hein. Ça me fait chier, mais je vais le faire sur lui. Hein.
C'est en faisant ça, oui, je sais que c'est horrible. Très bien, Kaji t'aura raison. Hop, je gagne des points de vie et j'augmente mes... Voilà, je suis à 8 maintenant. Voilà, comprenez ? 8, voilà, ça vous dit quelque chose. Et vous le refaire ou pas, moi ? Assez joué ! Et donc, prochain tour, c'est bon, quoi. Vous allez souffrir. Bon, j'aurais dû quand même voir mes points de vie parce que j'ai fait ça, mais peut-être j'ai que 5 points de vie, j'aurais même pas vu. J'ai 4 points de dégâts. Ouais, allez pour le fun. Je vais l'infliger à lui là. Et je vais mettre un dernier souffle. Allez. Oh. Faisons toute la lumière sur ce problème. Ah, j'ai réussi. Donc ça sert à rien. Infliger 2 dégâts, je le foutre à lui. Me venger. Et tiens, prends-toi ça dans la gueule et voilà. Terminé. Terminé. Nous savons où ils ont emmené votre ami. Alors là, ils vont me remettre la vidéo à la con. Non, tu montres pas. Non mais oh. En tout cas, voilà. On va terminer là pour cette vidéo. C'était très rapide, je le sais. Mais voilà, c'était une vidéo test. Comme ça, on voit... Vous pouvez voir, le son est plutôt pas mal. Et voilà, si en tout cas ça vous plaît de savoir la suite de ce jeu et de faire quelques parties ou quoi, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager pour annoncer cette magnifique nouvelle. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant quand je ferai quelques parties avec mon certain collègue Gwendy. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, le poteau. Cliquez sur un j'aime, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous. Ciao, ciao.